Peut-on interrompre un lave-vaisselle en cours de lavage? Oui, il n'y a pas de souci, vous ne l'abîmez pas. C'est pas très conseillé car vous faites quand même fort chuter la température et vous allez avoir de l'eau partout, donc c'est pas une super bonne idée. Je dois rincer ma vaisselle à l'eau avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Faux, il faut oublier cela. Il faut essuyer sa vaisselle, enlever tous les gros morceaux que vous pourriez avoir dans votre assiette, mais il ne faut pas la rincer car les produits de lavage que vous allez mettre dans votre lave-vaisselle doivent laver ce que vous avez dans votre assiette. Par exemple, vous avez la trace de la sauce, mais pas le plot de sauce que vous pourriez avoir. Sinon, le produit mordant va s'attaquer au joint de votre lave-vaisselle. Essuyez-la, ne la rincez pas. Le programme économique de mon lave-vaisselle dure beaucoup plus longtemps que les autres programmes. Eh bien, c'est vrai, sur certaines marques et certains modèles, jusqu'à 2 fois plus longtemps. Il prend moins d'eau, chauffe un peu moins fort, mais dure beaucoup plus longtemps. Mettez-le la nuit, alors au niveau de l'économie... Je peux raccorder mon lave-vaisselle sur l'eau chaude. Oui, c'est vrai, mais pas toutes les marques ni tous les modèles. On peut citer quand même une marque qui le fait, Miele, permet de raccorder certains de ses modèles jusqu'à 60 degrés, donc sur une arrivée d'eau jusqu'à 60 degrés, et permet d'économiser ainsi 50% d'énergie. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo concernant les idées reçues sur les lave-vaisselles. Plein d'autres vidéos à venir dans le même sujet, laissez des commentaires. YouTube, Facebook et Pinterest, partagez, likez, mettez des pouces et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !